par l'équipe numéro 2. Elle sera donc emmenée dans un premier temps par Fredo avec First. Éric en deux, il va y avoir Cécile en trois, et pour terminer, Kevin, notre petit jeune. Messieurs, on laisse un petit peu de temps en fait à la juge pour placer ces obstacles. Qu'on a un moment pour que tout le monde soit logé à la scène. On se concentre. La première équipe fait 5 points, tout est ouvert. Êtes-vous prêts au top du juge? Prenez le départ. Allez, sorti le coureur. Donc, First. Après, allez, c'est parti. Ça passe tout petit peu là-bas. Hein. Les choses sont plutôt pas mal. Attention pour la passerelle. C'est bon pour la montée. C'est bon pour la descente. Et parfait. C'est parti pour Eric. Allez, vous savez, vous allez négocier dans un premier temps. Négocier jusqu'où vous c'est parti, pointe. Faute de naissance. Allez, ils ont toujours 50 points d'avance. Hein. Ah, c'est ça qu'on est éliminé. Pour la fin de nous sommes, c'est une égalité parfaite. Au top, l'objectif c'est 6, c'est pas comme il faut. De manière à ne pas laisser l'équipe précédente laisser sa vie sur eux. C'est ce challenge. Allez, c'est bon pour le balançoire. Tout gère l'équipe, parce que c'est un G, c'est un G. C'est une équipe qui a à peine 2 ans et demi. Allez, Jérémy. J'ai eu qui, stratégiquement, n'a pas dû prendre le serveur. Et tout ça, c'est joli. Bon, allez, le 1, le 2. Et maintenant, c'est le 3. Allez. Très bien, la démonstration. Alors, égalité parfaite, on n'a pas plus de chronomètre. On vous fera en fait tout simplement un résultat à l'applaudimètre. Thank you.